Dur bir saniye. Az dur. Evet, bu ekip... Başkanı ve milletvekili... Tamam. Sayın Belediye Başkanı ve milletvekili olan Fransa Popül'ün bir parlamentoda Türk camilerinin geldiğini ve radikalize yaptığını söylemişti. Maalesef onun Türk milletini üzmüştür. Ve bugün kendisi Objektif 21 Derneği'nin girişimleri sonucunda kendisinin yanlış anlaşıldığını sözlerini ve Türk milletini üzdüyse özür dilediğini söyleyecekler. Müslümanlar jumu rappelle je dis que comme il y avait un malentendu par propos sur le truc et je vous laisse exprimer. Oui, tout à fait, monsieur le président. D'abord, je crois qu'il était important qu'on se rencontre pour lever toute ambiguïté. Si j'ai pu froisser, vexer et peiner la communauté turque de France ou d'ailleurs, je m'en excuse parce que ce n'était pas le but. Ce que j'ai voulu dire, ce n'était pas de généraliser sur tous les Turcs, avec qui j'ai d'excellents rapports, et ils sont d'ailleurs nombreux à Sarcelles, à Garges, les connaissent ou à côté, mais c'était de signaler que le fait est que le seul problème que j'ai eu avec une mosquée sur le territoire était avec une mosquée qui était, dans un premier temps, dirigée par des jeunes Turcs en particulier qui venaient de Goussainville. J'ai fait part de mon expérience, mais il n'était pas question pour moi de considérer que toutes les mosquées turques qui étaient installées en France étaient des mosquées où les gens se radicalisaient. Donc je veux repréciser les choses, le redire, je sortirai d'ailleurs officiellement un communiqué. Par contre, je signalais un problème, et effectivement, il y avait aussi le deuxième problème, qui était lorsqu'il y a eu la manifestation pro-palestinienne, il y avait également le drapeau turc, je n'en tirais pas de conséquences, mais je citais un exemple de ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que je pense qu'il faut continuer le dialogue avec la communauté turque, pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, que lorsqu'il y a un problème, on soit capable d'en parler. Exactement. Nous, on remercie beaucoup, monsieur le maire, de votre conversation. Et la prochaine fois, on ne souhaite pas avoir de problème comme ça. On va inviter monsieur le maire pour le 3 mai. Le 3 mai, on va inviter, on ramène le plus grand historien de Turquie, et Balotelli. Faites-moi passer la question. On vous arrange ça, ok. Okay. Ok, merci beaucoup. Parfait. Juste une question, quelle mosquée vous avez parlé? Il n'y a pas de mosquée. Est-ce qu'il y a... Je ferai passer les coordonnées, voilà, on a un peu particulier, mais c'est important d'en parler, parce que justement, oui, et ce qui a été convenu, c'est que si de nouveau un problème comme ça intervenait, ben, je pourrais contacter les responsables de la communauté turque, y compris au niveau des responsables musulmans, certains au niveau du département, pour justement signaler qu'on a une difficulté. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Allez, on fait la même conversation. La paix, vas-y. Okay. On a une seule femme, mais...